Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies lunaires. Vous allez découvrir votre défi du jour et le conseil de l'oracle lunaire pour bien vivre cette journée. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes vendredi 31 janvier. Joyeux anniversaire au Verseau de ce jour. Et bonne fête, Marcel Le. Mes amis, la Lune est dans le bélier du troisième décan. Nous voyons que la conjonction Soleil-Mercure lui envoie des aspects difficiles. Par contre, Mars, de très bons aspects. Alors, la Lune en bélier, on est encore dans une phase très dynamique. Et ça tombe bien pour la veille d'un beau week-end. Par contre, le Soleil-Mercure qui nous parle de communication, communication normalement chaleureuse, etc. Donc, c'est quand même une bonne communication, mais apparemment, on n'a pas forcément les bonnes paroles ou les bons moyens de communication aujourd'hui. Et grâce à Mars, on va se dire qu'on ne va pas se laisser faire. Hein. On va prendre le taureau par les cornes ou le bélier par les cornes et on va agir vers positivisme, dynamisme et on va en fait se sentir, grâce à la Lune qui va nous parler de cela, on va se sentir avoir envie de faire quelque chose pour les autres. Même si dans la communication, c'est un peu compliqué parce qu'on va avoir des choses à faire. Alors, c'est donc une journée, finalement, pour préparer un super week-end malgré tout. Malgré cette communication un peu difficile. Oui, c'est vraiment une journée pour lutter contre ça et justement envers et contre tout. Grâce au dynamisme du bélier et de Mars, qui est d'ailleurs la planète du bélier, donc là on est très très bien, eh bien on va lutter contre la morosité du moment et on va, vous allez voir, préparer le défi superbement. Alors justement, quel est ce défi de ce vendredi? Eh bien, vous allez réfléchir à quelque chose à faire pour ce week-end qui vous ferait plaisir à vous, mais surtout à d'autres personnes. Alors, évidemment, ça peut être votre famille, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, un ami, des amis, une personne qui est en souffrance dans votre entourage, et vous allez décider d'accorder, tout votre temps à vous rendre heureux tous avec vous, toutes les personnes que vous avez choisies. Sans compter l'énergie que vous allez y mettre. Vous ne compterez pas cela. Vous allez vraiment essayer de faire quelque chose pour l'autre, pour les autres, et puis pour vous faire plaisir aussi, mais en priorité l'autre personne. Alors, comment va pouvoir vous aider l'oracle dans ce cadre-là? Ce n'est pas facile hein, comme défi. Il ne faut pas croire. Hein. Oula, il y en a... Mais Pauline, les petites roses de l'amour, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi, c'est l'oracle qui me dit l'amour est là. L'amour est là. Bon, allez, maintenant on va quand même essayer de se faire les choses correctement. Hein. Allez, vous voyez mes amis, comme parfois c'est drôle, hein. Pourtant, je sais les battre. Ben, c'est l'énergie. Aïe, attention. Allez, je vais y arriver à retrouver ma sérénité. C'est parti, mes amis, pour vous. C'est parti pour vous. Allez, et puis pour moi aussi, hein, d'ailleurs, j'y suis hein, dans les défis. Alors, j'en profite pour vous dire, partagez-moi votre défi. Ça peut être dans les commentaires YouTube, ça peut être sur mon adresse email. Partagez-moi votre défi, j'adore ça et je les mets à la fin, ça défile, c'est génial. Hein? Allez, et puis je vous rappelle aussi que ce soir, ou plutôt ce matin, non pas ce soir, je dis des bêtises, là,
dans quelques heures. Vous allez avoir aussi sur mon adresse Instagram une image, et oui, une image, l'image d'un bâtiment, d'un monument, d'un endroit. Et si vous découvrez quel est ce bâtiment, quel est cet endroit, vous gagnez avec moi une question gratuite par téléphone. Mais oui, mes amis, réellement, il y a déjà eu deux gagnants. Et aujourd'hui, notamment, j'ai eu Armel au téléphone pour sa question. Et oui, parfaitement. Alors attention, jetez-vous sur mon adresse Instagram dès que je ferai paraître cette image. Allez, pour vous maintenant. La qualité essentielle que vous devrez avoir aujourd'hui pour vous aider. Choisissez votre lune. Vous avez choisi. Si vous avez choisi la lune dorée, s'éveiller. Et oui, aujourd'hui, il va falloir vous éveiller aux autres. Non seulement à vous-même, vous voyez que ce personnage, sa grande sérénité, elle sait ce qui est bon pour elle, mais elle sait aussi ce qui est bon pour les autres. Elle est reliée au monde grâce aux racines de l'arbre et puis aux branches qui vont dans le ciel. On est vraiment là sur quelque chose de... parfois, vous savez, on est pris par le quotidien. Qui n'est pas pris par son quotidien? On a la tête dedans. On doit faire ci, on doit faire ça, les courses, le machin, aller chercher les enfants, aller faire ci. Bon, on est pris par son quotidien. Eh bien là, en ce vendredi, réveillez-vous, éveillez-vous, éveillez-vous aux autres. Vous avez un week-end qui arrive, consacrez-le aux autres et vous serez rempli de bonheur. Alors, quelle est la qualité justement que vous devez avoir pour cette journée? La tendresse. Moi, ça me plaît toujours, la concordance qu'il y a, parce que franchement, souvent, c'est extraordinaire. De la tendresse. Le ciel fait descendre jusqu'à moi un nuage blanc qui m'accueille avec tendresse. Je me dépose dans cette douceur infinie et je me sens bercée par la mère de toutes choses. La couleur de la terre est avec moi à nouveau et je peux repartir dans ma vie. Je suis chérie. Oui, vous serez sûrement le chéri ou la chérie des autres si vous consacrez votre vendredi à leur concocter un magnifique week-end. Tout le monde en sera heureux. Si vous avez choisi la lune rousse, faire silence. Chut. Alors vous n'avez pas d'idée. Vous êtes un peu embêté. Vous vous dites d'abord, mais pour qui? Et puis, quoi? Chut. Faire silence. Reliez-vous à la terre. Reliez-vous au ciel. Et les idées lumineuses vont arriver. Votre qualité essentielle aujourd'hui, la liberté. Aujourd'hui, je suis libre. Je ne demande rien. Waouh! Tout va venir à vous. Les idées, les gens pour qui vous allez faire, vers qui vous allez vous tourner. Oh, liberté, liberté chérie. Vraiment, vous allez faire cela, vous allez voyez, donner, mais en toute liberté. Ça ne va pas être difficile. Vous auriez pu croire au départ. Et finalement, ce sera magnifique. Alors, mes amis, je vous souhaite une belle préparation de week-end, une magnifique journée, plein d'idées, plein de bonheur. Et je vous dis à demain.